plus pour à peine 10 kilos d'un HL, un peu moins de 10 kilos. Donc vous voyez, même très bien. Et qui va emmener son pilote. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce genre d'aéronef, eh bien comment ça monte? Ben en chauffant, hein, l'air chaud qui est coincé dans l'enveloppe emmène la nacelle avec le bonhomme dedans. Mais comment est-ce qu'on choisit l'endroit où on va? Ben c'est bien simple. À toute altitude, il y a des vents qui vont en sens au contraire. Donc si ici le pilote il va taper vers la droite, si il va taper tout, il va taper droite vers la gauche, etc. Donc l'aéroscope c'est un vrai cabinet de météorologue parce qu'il faut trouver la bonne altitude qui vous amène au bon endroit. Et ça va tout en retourner là où vous êtes venu, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça avance pas mal quand même. Hein. Allez, cours, pilote, cours! Ça en vrai, je dois brûler à mort. Ah oui. C'est à base d'air chaud. Ouais, ça peut, ça peut. Ça va être sur des infos, ça. Bon, bonne nouvelle, il ne revolera pas aujourd'hui, mais bon, il revolera, c'est sûr. Sur internet. Putain, regarde. Papa, le truc, il est où? Là, je veux pas voir ces infos, moi. Il a atterri là. Il y a le ours, il y a des caméras. Ouais, par contre, ça flambe là-bas. Ah, en fait, ils sont télécommandés. Avec des films. Là, il va décoller. Alors le temps que la modèle se revienne et que nos petits avions de vitesse soient très élevés. Décollage. On va faire un petit bon panel. Ouais, c'est ça. Mmh, c'est où?